Salut à tous, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Paris en compagnie de Florent. Donc vous allez découvrir Florent aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter directement pour que les gens savent qui tu es? Ouais, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Florent. On va dire que je suis un jeune entrepreneur. Bon, pas aussi jeune que toi. Bah, t'as quel âge? Bah, j'ai 26 ans. Bah, t'es jeune, non? Bah, pas autant que toi. Alors de quoi tu veux? Peut-être qu'on reviendra après sur le parcours. Donc voilà, simplement, je suis entrepreneur, je suis de formation en ingénieur informatique. Ouais. Et puis j'ai décidé de me lancer tout seul et de quitter un peu le monde salarial. Ouais, alors pourquoi tu as eu cette envie de quitter le monde salarié? Qu'est-ce qui t'a poussé à te faire? On va dire que j'avais un truc dans ma tête où que des fois je disais à ma famille, je leur disais moi j'ai pas envie de travailler pour enrichir mon patron. D'accord, le classique, ouais. Voilà. Et puis j'ai vu un autre truc un peu par la suite où je trouve que c'est aussi, ça parle bien, c'est j'ai pas envie de travailler pour réaliser les rêves de mon patron, ouais. J'ai travaillé pour réaliser mes rêves. D'accord. Et c'était quoi vraiment le déclic pour switcher, vraiment faire le premier pas dans ta pour toi quoi? En fait ça fait longtemps, en fait depuis que je suis pas tout petit, mais on va dire depuis que j'ai peut-être de 12-13 ans, ouais. J'avais envie de faire quelque chose de tout seul, ouais. Mais j'arrivais pas à trouver vraiment l'idée. D'accord. Des fois c'est compliqué, tu sais que tu as l'âme d'entrepreneur, mais tu n'arrives pas à trouver l'idée. Il faut le contenu, faut la viande quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, le fait de, notamment d'avoir fait ma formation d'ingénieur informatique et d'avoir travaillé dans la boîte où j'étais, dans la publicité, ça m'a permis de voir un monde et je me suis dit, là il y a quelque chose à faire, je pourrais me lancer déjà dans un premier temps tout seul, okay. Et voir après comment ça évoluera. Alors justement, ce monde-là, qu'est-ce qui t'a porté, vers quel chemin il t'a guidé pour que tu commences tout seul? Ça a été quoi ton, c'est quoi ton business en gros? C'est quoi? Alors mon business, en fait ça fonctionnait avec la publicité. Ouais. Donc en fait la boîte où j'étais avant, elle proposait de faire de la publicité sur mobile. D'accord. Et ça m'a permis de découvrir un peu tout l'envers du décor. J'ai vu que la publicité ça brassait des sommes assez du genre. Assez affolantes. J'ai pas trop de chiffres à te donner sur ma boîte, mais c'est des montants des intéressants. Quand une marque elle veut faire de la pub, ça peut tout de suite aller sur des montants de 50, 100 000 euros, voire plus quoi. D'accord. Donc, pour une opération, pour une campagne. Voilà. Moi j'avais mon ancien patron qui comparait souvent la publicité un peu à la bourse. Ah ouais? Au niveau du phénomène, parce qu'en fait t'as même au niveau de la publicité un système d'enchères. Donc un peu comme à la bourse, où ça va à la hausse, ça va à la baisse. Et tu as un système comme ça en fait qui permet d'acheter des ce qu'on appelle des encarts publicitaires, c'est là où s'affiche la pub. Et en gros, c'est celui qui va payer le plus cher qui va s'afficher. D'accord, c'est comme les bonnes adresses à Paris par exemple, tu payes plus cher si tu es sur les champs ou… C'est un peu ça. Ok, ok. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait? La publicité, tu as vu que ça a brassé, qu'il y avait moins de faire de l'argent. Toi, comment tu as fait pour exploiter ce créneau-là? Alors, pour exploiter ce créneau-là, je suis parti d'un principe qu'un des grands gourous français notamment a pu dire des fois, c'était quand on est petit, des fois à l'école, on va aller copier sur le meilleur de la classe. Ouais. Et quand on est plus grand, souvent on arrête ça. Ouais. Moi, il y a eu un mec qui était dans ma boîte, qui était développeur, on va dire, à son compte. Okay. Et qui développait des applis. Puis un jour, j'ai discuté avec lui, il m'a montré un peu des chiffres, combien il gagnait et tout. Ouais. J'ai fait, purée, il y a quelque chose à faire. Donc c'est quoi ce chiffre? Tu peux nous le dire ou pas pour que lui à l'époque, il venait de lancer son application, il faisait en deux semaines, il avait fait 600 euros. D'accord. Il venait de la lancer. D'accord. Donc je me suis dit, 600 euros en deux semaines, bon moi j'en étais pas du tout à des montants plus élevés, mais je me dis déjà c'est pas mal. Quoi. Ouais. Tu sors une appli, tu la laisses vivre toute seule. Et, ça tourne tout seul, c'est passif et voilà, c'est cash qui rentre. C'est exactement ça. Ouais. Et donc de là, je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose, je vais essayer de me faire des applis et puis voir comment ça marche. Quoi. Mais par exemple, là, tu me dis, je vais essayer de faire des applis. Moi, demain, je vais essayer de faire une application, je ne sais pas du tout par où commencer, je n'ai pas les compétences. Comment tu as eu les compétences? J'ai eu les compétences grâce à la boîte où j'ai travaillé. Donc tu faisais déjà ça à l'intérieur de cette boîte? Ouais, donc. En fait, je ne faisais pas des applications, mais j'utilisais des… J'y ai pas été au bluff, mais disons que quand j'ai eu mon entretien, je disais que j'avais développé des applis mobiles. Mm-hmm. En fait, j'y connaissais quasiment rien, puis après, j'ai appris sur le tas. Quoi. D'accord, donc t'as été audacieux quoi. Ouais, voilà. Et est-ce que c'est dur de faire une application mobile aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit que ça coûte très cher, si on l'a délégué par exemple, que quelqu'un nous l'a créé, on dit que ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est compliqué? Si tu le fais en Europe, ça coûte cher parce que faut payer la main-d'œuvre. Payer un ingénieur, ça coûte assez cher. Ouais. Après, quand tu arrives à avoir les bons contacts, peut-être en Roumanie ou pays de l'Est, Asie, en Inde, des choses comme ça.
T'as moyen de te faire des applications beaucoup moins chères. Beaucoup moins cher, t'as un prix ou pas? Par exemple, quelqu'un qui veut développer une application assez classique, lambda, combien ça peut coûter? J'ai un prix en tête, mais c'est pas forcément une bonne référence. Justement, la personne qui m'avait montré ça au début, elle m'avait montré, elle avait fait à l'époque du jeu de 2048 qui fonctionnait. Elle m'avait montré un clone qui s'appelait mon 4096, c'est exactement le même principe de jeu, mais elle avait payé $15. $15 pour développer cette application. Voilà. Mais bon, enfin. Là, c'est peut-être pas le bon exemple. Non, c'est pas le bon exemple parce qu'il avait déjà ses contacts et tout, il travaillait avec eux. Mais pour, je sais pas, une application lambda en Europe, il y en a au moins pour entre 2 et 3 000 euros. Quoi. D'accord, ok. Toi, combien de temps tu mets pour faire une application? Alors, ça dépend du type d'application, mais de l'application lambda que je te parle, si tu veux vraiment faire quelque chose de qualitatif, il faut un mois. Un mois. Donc, justement, quel type d'application toi tu fais? Alors, moi, pour trouver mes idées d'application, avant de les faire, je me pose la question du potentiel de personnes qui pourront l'utiliser. Ouais. Par exemple, et de la faisabilité aussi, parce que je prends bien en compte que je suis tout seul à le développer et que j'ai pas une équipe de 10. Ouais. Donc, il faut que ça reste suffisamment simple, parce que si je mets un an à développer une application, parce que je suis pas sûr que ça marche au final. Donc là, actuellement, comme je te disais que j'avais un peu copié, en fait, la personne qui faisait ça à l'époque, elle faisait des applications radio. Donc j'ai dit, ouais, bah, je vais essayer de mon côté. Une application radio aussi. Okay. Et je vais copier. Et puis j'ai lancé ça, j'ai laissé un peu tourner. À l'époque, j'avais acheté mon appartement aussi. Okay. Et je me disais, putain, si ça pouvait déjà rembourser le prêt de l'appartement, ça serait top. Ouais. Puis en fait, j'ai laissé vivre. Bon, je m'en suis un peu occupé parce que des fois, les radios, elles changent. Ouais. Donc, faut les mettre à jour. Mais bon. Un petit travail de fond, mais ça va, c'est correct. Voilà, quoi. Si je prends sur l'année, ça fait quoi? Ça fait peut-être 10-15 heures sur l'année. Donc, c'est correct. Mais ça a marché du coup? Bah ouais, ça a marché parce que j'ai commencé, alors j'ai lancé ça au mois de décembre. Ouais. Donc j'ai commencé à 150 euros le mois. Uh-huh. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'était le premier mois. Ouais, le premier mois, c'est bien. Ouais. Voilà, et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai laissé ça un peu vivre. Et puis, alors au début, c'est après parce qu'il faut savoir que la publicité, il y a beaucoup d'argent qui est mis fin d'année et moins en début d'année. D'accord, c'est saisonnier aussi. Voilà, donc après, au moins, on est passé janvier, février, je me suis dit, ah, en fait, ça marche pas très bien. T'es arrivé finalement au moins bon moment, quoi. Voilà, ouais. Et puis après, j'ai laissé un peu vivre, j'ai quand même continué à essayer de mettre à jour. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte qu'après, ça s'est envolé. Donc, envolé, est-ce que tu peux donner des chiffres de combien, par exemple, aujourd'hui, en moyenne, combien tu fais d'argent avec les applications? Alors, j'avais fait un calcul notamment sur Excel qui était intéressant parce que je reporte tous les mois mes chiffres. D'accord. Alors, il y avait, je crois que c'est sur la première année. Ouais. Donc, j'ai fait 150 euros et il me semble que je raconte pas de bêtises. Sur l'année d'après cumulée, j'avais fait 8000% d'augmentation. D'accord, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, pour te donner un chiffre, en gros, sur l'année précédente, ça fait du. En moyenne du 4 000 euros par mois. Quoi. Alors que ça fait à peine 2 ans, tu m'as dit que tu fais ça en fait. Comment ? Ça fait à peine 2 ans que tu es dans ce business-là. Ouais. En termes de charges, tu as quoi ? Enfin, finalement, alors, une application, tu as quoi ? Tu as des coûts pour mettre ton application sur la marketplace ? Ouais, mais ça reste des coûts minimes. Alors, sur les coûts que j'ai 100 euros par an de compte développeur à payer à Apple. Okay. Ça, c'est un peu un droit d'entrée pour que tu aies le droit de déposer tes applications. Et c'est après, rien, c'est rien quand tu gagnes. Et puis, j'ai 30 euros pour Android, mais ça par contre, c'est à vie. Donc, tu payes une fois, après tu peux. Donc, tu n'as que ça. J'ai que ça. Tout le reste, c'est du bénéf. Après, il y a les impôts, mais tout le reste, c'est… Après, vu que on n'en a pas parlé encore, mais du coup, j'ai monté une structure. Ouais. Après, il y a des frais de structure, forcément. D'accord. Parce qu'il y a le comptable, il faut déposer un bilan. Ouais. Donc, le classique, ça. Le classique. Tu peux pas y échapper. Du coup, on n'a pas dit, mais t'as quoi comme application? C'est dans quel domaine? Tu peux le dire ça ou pas? C'est dans quel domaine? Comme j'ai dit, j'ai l'application radio. Les radios, tu les as toujours, donc, ça? Okay. Ouais, ça, j'ai toujours. T'en as d'autres? Alors actuellement, elles ne sont pas encore mises à disposition, mais elles sont en développement. Ouais. La première, j'ai tout fait tout seul. D'accord. J'ai perdu pas mal de temps, notamment sur le design, parce que c'est pas du tout mon métier. Et là, j'ai décidé de prendre quelqu'un que je connaissais pour faire le design. Qui a plus l'habitude en fait de faire. Commence à te faire une petite équipe pour grossir. Voilà. Là, ça centre plus sur l'actualité, sur le football, les choses comme ça. D'accord. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, je fais une analyse avant de savoir le potentiel de monde que je peux toucher. Bien sûr. Ouais. Parce que, entre parenthèses, la toute première appli que j'ai commencé à développer, c'était un projet beaucoup trop ambitieux.
J'ai travaillé un mois dessus, j'ai arrêté, c'était trop compliqué. C'était quoi, non? C'était, je voulais faire une espèce d'application où en fait tu mettais tous les aliments que tu avais dans ton frigo. En plus, ouais, ça existe. D'accord, ouais. Et en fonction de tes aliments, ça va chercher des recettes sur Marmite, ouais, ou des choses comme ça. Mais c'était trop ambitieux. Et puis voilà. Et c'est pour ça qu'énormément de gens, des fois, en gros, ne gagnent même pas d'argent, ils laissent tomber parce qu'ils ont des projets trop ambitieux. Sur des trucs trop gros, ouais. Alors finalement, il faut faire du simple, puisqu'il marche déjà. Voilà, il faut faire du simple, il faut tester la chose. Et après, si ça marche, éventuellement partir sur des choses plus complexes. Ok. Donc aujourd'hui, pour être clair, comment t'es payé, du coup, c'est uniquement les pubs qui apparaissent sur la publication. Vous savez, quand on va sur les applications, on a des petites pubs en bas, des petites bannières. Toi, c'est uniquement ça en fait qui te rend. Il y a deux types de pubs, il faut savoir. Il y a la petite en bas, il y a la grosse qui super intrusive. Quand tu ouvres l'application, voilà. Bon, il faut savoir que celle-là rapporte beaucoup plus que la petite qui est en bas. C'est vrai. Ouais, c'est de l'ordre de 10 fois à peu près. Mais les gens cliquent vraiment dessus parce que moi, je sais, par exemple, j'appuie sur la croix direct et la seule fois que je clique dessus, c'est que j'ai pas fait exprès, que j'étais trop rapide. Toi. Bah ouais, mine de rien, des fois, il y en a qui cliquent parce que même moi, ça m'est arrivé. Bon, ça, on en a pas trop parlé encore d'immobilier, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, en fait Google il récolte énormément de données sur toi, là où tu vas, et après il t'affiche des publicités en fonction de tes centres d'intérêt. Et moi ça m'est déjà arrivé quelques fois de cliquer vraiment sur la pub parce que c'était moi qui le voulais. Donc sur les applications ça marche pas, ils te suivent et ils savent ce qui te plaît. Ouais, ça marche pas. D'accord, d'accord. Du coup là on parlait d'immobilier, on va rebondir dessus. Ouais. Donc t'as une société pour les applications, tu comptes investir ses bénéfices. Grosse moto là. Réinvestir ses bénéfices donc dans l'immobilier. Ouais. Dans l'immobilier, quelle structure tu as mis en place? Tu as mis une structure intéressante en place, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ouais. Alors la structure que j'ai mis en place, alors pour faire simple, bon, tout à l'heure on a parlé de ce que je pouvais à peu près gagner. Ouais. C'est pas ce que je me verse, loin de là. Ouais. Moi je suis plus parti sur une base de me verser le minimum à vivre. Voilà. Donc je pars sur une base de 2000 euros par mois, voire un peu plus en fonction de mes besoins. Tu restes assez modeste. Ouais. Et tout le reste, en fait, je le garde en bénéfice dans ma société. Donc le montage que j'ai fait, c'est un montage à deux sociétés et trois quand j'aurai fait mes premiers investissements immobiliers. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui détient ma société qui fait des applications. Ah. C'est une autre société qui s'appelle donc du coup une société holding. Une holding qui, et qui permet notamment. Enfin, pour quelqu'un qui a un profil qui souhaite réinvestir beaucoup, qui souhaite investir beaucoup d'argent dans d'autres choses, c'est pas forcément l'immobilier, hein, ça peut être d'autres choses, des startups, investir dans des startups, des choses comme ça. En fait, le montage est intéressant parce que tu payes moins d'impôts que si je me l'ai versé en salaire et que j'ai réinvesti ça. Tu fais circuler en fait les bénéfices. Tu as ta société d'application, une société mère, et tu redescends vers une foncière qui va investir dans l'immobilier. Voilà, tu fais tout circuler en triangle en fait. C'est ça, Et du coup, l'immobilier, dans quel type d'immobilier tu comptes investir? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Ah, tu es en train de commencer, tu vas dire, mais est-ce que tu sais où tu vas? Alors ouais, je pense que je sais où je vais. Alors moi, comme principe, je me dis que l'immobilier, c'est pour moi, dans l'investissement, c'est une niche. Mmh. Donc, il ne faut pas forcément trop se fermer toutes les facettes de l'immobilier. Okay. Donc, moi, je suis dans le principe de diversifier au max, que ce soit géographiquement, mais aussi sur le type de bien. D'accord. Donc, souvent, je sais que toi, tu fais beaucoup de location saisonnière. Un peu, Après, ce qu'on entend beaucoup parler aussi, c'est la location meublée classique. Ouais. C'est la location de murs professionnels. Uh-huh. Donc, moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est vraiment de toucher tous ces domaines. Toucher un peu à tout, Voilà. C'est dans l'immobilier, mais un petit peu partout. Afin de vraiment diversifier la chose et pas m'enfermer sur un truc précis. Pour l'instant, est-ce que tu as un projet déjà? Est-ce que tu sais vers quoi tu vas aller ou pas du tout pour l'instant? On en a discuté, j'ai plusieurs projets. Alors là, actuellement, je suis sur une petite place de parking. Ouais. Alors pour vous donner un peu des chiffres, elle est à 4000 euros. Ouais. À savoir que là où elle est située, c'est plutôt autour de 6 500-7 000 euros la place de parking. Une bonne affaire. Au minimum, je pense. Et j'ai une possibilité de la boxer facilement, donc de taper facilement les 10 000 euros. Une plus-value à la revente assurée, Éventuellement une plus-value et pour un rendement de environ 14-15%. Donc du correct, du classique en fait pour les parkings, du très bon. Ouais. Plutôt pas mal. Alors après, j'ai d'autres projets. Et j'ai le projet, alors certains, enfin, même je pense que beaucoup connaissent Elise Franck. Ouais. Donc j'ai pris contact avec elle pour qu'elle me déniche un premier bien meublé. Ouais. Alors pourquoi je passe par elle? C'est parce que j'ai beaucoup entendu et j'en suis persuadé que le premier achat meublé d'un certain montant, il faut qu'il soit réussi. Et je préfère éventuellement avoir une rentabilité un petit peu plus basse, mais assurer le coup. Réussi,
plutôt que de me dire allez je fais tout tout seul et j'ai plus de chances de me faire. Donc vis-à-vis des banques pour être sûr que ça va passer quoi. Voilà. Ouais. Ça, ok. Et puis même au niveau du lieu, au niveau de l'agencement, parce que je sais qu'elle fait, elle fait quand même, enfin tu as peut-être dû avoir l'occasion un peu de voir ce qu'elle fait, elle fait quand même des trucs super qualitatifs. Donc ça, après un troisième projet, bon bien sûr tous ces projets c'est sur l'année. Hein. Donc ouais, on part pour 2016 bien sûr. Voilà. Donc, t'as parking, t'as Elise Franck, ensuite t'as quoi d'autre? Troisième projet, ce serait éventuellement donc avec des collaborateurs, enfin avec un collaborateur de ma famille proche, donc l'un de mes cousins. D'accord. Ce serait de faire de l'achat de murs commercial. D'accord. Donc lui, il connaît très bien le domaine, alors que moi. Il est dans le milieu, tu m'avais dit. Ouais. C'est pas le même monde que la location classique. Ouais. Hein, c'est que de l'habitation, ouais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, donc il faut quand même connaître. Donc ça, c'est le troisième. Donc ça, on n'a pas forcément de lieu prédéfini parce que c'est un projet qu'on vient de mettre en place. D'accord. Donc lui, il sera, son boulot, ce sera plus de prospecter. Et puis après, on investit ensemble là-dessus. D'accord. Donc tu t'associes avec lui pour cette affaire. Voilà. Ok. Et encore autre chose ou c'est tout? Après, peut-être un dernier. Bon, là, c'est aussi pour aider. Donc en fait, quand je me suis beaucoup intéressé à l'immobilier, j'ai emmené ma copine avec. D'accord. Et donc je lui ai proposé éventuellement de l'aider un peu financièrement pour l'aider à acquérir peut-être un bien immobilier. Un bien ensemble, voilà. C'est ça ? Un bien ensemble. Tous les deux, ouais. Ouais. Pas un très très gros projet. Enfin, ouais, après, ça dépend toujours de la zone, mais ouais. Moi, 100-150 000 euros proche Île-de-France, c'était pas une grosse somme. Ouais, ouais, on est d'accord. Alors qu'en province, c'est un seul immeuble, même deux immeubles. On peut déjà avoir un joli truc. Donc, tu as quand même déjà 4 projets pour 2016 en immobilier, alors que tu débutes tout juste. Ouais. Voilà, c'est ouf, c'est bien ça. Bon, bah, c'est cool du coup. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour tous les gens qui voudraient se lancer? Finalement, tu es assez jeune, donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous les jeunes et aux moins jeunes aussi qui voudraient se lancer et qui hésitent peut-être, qui ne savent pas trop par où commencer, qui voudraient, mais voilà, qui ont un peu peur, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, moi, la première chose déjà, bon, après, c'est mon avis personnel. Ouais, bien sûr, bah, c'est ce qu'on veut. Ouais. Moi, c'est pas lancer quelque chose pour l'argent. D'accord. C'est lancer quelque chose parce qu'on a une affinité avec. Donc faire un truc qui te plaît vraiment. Enfin, voilà, un truc qui va pas te saouler au bout de 3 mois. Que ce soit l'immobilier, des applications mobiles, peu importe. D'accord. La deuxième chose que j'avais en tête tout à l'heure que je viens d'oublier. C'est pas grave. C'est que je sais plus. Eh ben c'est pas grave. C'est déjà pas mal comme conseil. En gros, faut le faire. Faut y aller. Enfin voilà. C'était ça le deuxième conseil. C'était ça. Lis dans tes pensées. C'était que si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Moi, je suis parti du principe, pour expliquer en 2 secondes mon parcours, en fait, j'avais la possibilité, quand j'ai quitté mon boulot, de continuer éventuellement dans la même boîte en CDI. D'accord. Ou de partir parce que je finissais mes études, en fait. D'accord. Et j'ai choisi de mettre un terme à ce contrat et de voler tes propres ailes. Okay. Parce que je suis parti du principe, je préfère faire ça maintenant, éventuellement me cracher. T'es jeune, t'as tout le temps devant toi. Voilà, c'est ça, Moi, je sais que dans ma branche, en plus sur Paris, je retrouverai du boulot super facilement. Plutôt que de me dire à 50 ans, ah putain, si à 25 ans, j'avais essayé. Ne pas avoir de regrets, voilà, quoi, finalement, c'est ça. Ouais, c'est vraiment bien. Essayer. Bon, après, je sais que des fois, il y a des situations plus compliquées pour certaines personnes. Mais je pense que quand quelqu'un a un projet et qu'il y croit, ça vaut le coup de tenter. Sûrement de creuser et de trouver des solutions. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Ça vaut le coup de le tenter, ouais. Ok. Bon, bah, du coup, c'est top tout ça. Une interview très inspirante, du coup. Moi, je pense qu'on va conclure là-dessus du coup. Ouais. Et du coup, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. À très très bientôt. À bientôt. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.